L'œuvre du Leonardo russe pour la première fois réunie à Moscou. Avec plus de 300 tableaux, c'est la plus grande rétrospective consacrée au peintre Mikhaïl Larionov. C'est un émerveillement parce que c'est une ligne conductrice très forte qui est ce qu'il est lui en tant que peintre. Larionov est considéré comme le père du rayonnisme, ce style d'art abstrait développé à Moscou au début du XXe siècle. Le maître, avec sa célèbre compagne Natalia Goncharova, s'était installée en France. Sa collection était jusqu'à présent divisée entre Paris et Moscou. Pour moi, Larionov est un peintre russe. Oui, il y a la France, il y a Paris, mais c'est tout de même un peintre russe. Le rêve de Larionov était de voir sa collection réunie en Russie. C'est désormais chose faite et elle s'y admire jusqu'au 20 janvier.